Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc. Vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi le 30 décembre 2013. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Pour ceux et celles à qui ça intéresserait, hein, je fais encore des lectures d'âme personnalisées. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de faire. Soit que vous communiquez directement avec moi en personne, à mon bureau à Valleyfield. Soit que vous par téléphone, par Skype ou un vidéo que je vous fais, que je vous envoie par courriel. Donc, à vous de voir là. Pour un temps limité, c'est contribution volontaire. Donc, vous donnez ce que vous voulez pour les lectures d'âme en personne, Skype, puis par téléphone. Et pour les autres, le vidéo, ben, vous m'envoyez, vous me faites une demande, peu importe, hein, à Chantal, A commercial, coachingchantou.com. Il y a beaucoup d'énergie ici ce matin. Désolée, parce que là, ça fait quand même plusieurs semaines que j'en ai pas fait, là, parce que j'étais au repos. Donc, ça a fait du bien. Merci. Chantal à commercial coachingchantou.com pour avoir une lecture d'âme personnalisée. Pour les lectures d'âme via vidéo, vous me dites combien vous voulez donner, 5, 10, 15, 20, 30 $, puis je vous envoie une facture PayPal, puis je vous fais la vidéo. Pour ceux et celles qui ont des vidéos qui m'ont fait la demande là, avant que je tombe au repos. Donc, je vais vous les faire là, dans les jours qui viennent. Donc, n'ayez crainte, je vais vous transmettre ça le plus vite possible. Merci de votre patience. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on me donne comme information, premièrement, c'est qu'il ne faut pas oublier hein, que la prière et la méditation, c'est vraiment la clé de tout. Faut vraiment être recentré continuellement avec notre âme. Sinon, c'est de plus en plus facile pour le négatif d'entrer dans votre énergie. Vous vous êtes libéré de certains liens, certains attachements, certaines croyances, certaines choses qui faisaient que vous n'étiez pas encore dans votre unicité. Vous avez eu à vraiment vous rallier de plus en plus votre partie ombre et lumière par le passé, puis d'ouvrir plus votre cœur pour différentes choses. Dans le moment présent, vous êtes encore plus, vous savez que vous êtes encore plus lié au tout, que vous faites un, puis vous êtes prête à vraiment prendre votre place dans ce monde, puis exprimer ce que vous êtes venu exprimer. Prenez les choses en main. L'énergie de Moïse peut vous aider beaucoup à vraiment prendre les choses en main, puis d'ouvrir votre voie. L'énergie de Jésus vous permet de vraiment ouvrir votre cœur. C'est sûr que dans le futur, il va encore avoir des choses au niveau du mental à régler. Je pense que ça fait partie de notre expérience de vie de toute façon. Mais ça va vous permettre de vraiment pouvoir encore plus, je dirais, faire ce que vous êtes venu faire sur Terre. Hein? Vous allez être vraiment dans le succès, dans le triomphe. Vous allez ouvrir les voies devant vous. Il va y avoir quand même un équilibre à faire encore dans votre vie. Isis peut vous aider à retrouver cet équilibre. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.